Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère tout d'abord que vous allez bien, ainsi que vos proches. Et comme chaque semaine, je voudrais vous faire un petit point de situation, que ce soit sur la situation sanitaire ou aussi sur notre situation économique ou notre vie en commun. D'abord sur la situation sanitaire, l'amélioration continue. Et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce aux efforts que chacune et chacun a pu engranger au cours des semaines passées. On a deux indicateurs pour mesurer cette évolution, ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire combien de personnes sont contaminées sur 100 000. Il était à plus de 400 il y a 2 semaines, il est tombé à 300 la semaine dernière et cette semaine, il est à 219 pour 100 000 habitants. C'est donc une bonne amélioration. Il y a aussi un autre indicateur que nous regardons, c'est sur 100 tests réalisés, combien sont positifs? Il y a encore 2 semaines, il y avait plus de 20 tests réalisés qui étaient positifs. Cette semaine, nous tombons à 16, ce qui là aussi marque une amélioration, un recul dans la propagation du virus. Est-ce que cette amélioration vaut pour tout le monde? Eh bien, cette semaine, c'est oui, puisque pour toutes les populations jusqu'à 80 ans, ces indicateurs sont en amélioration. Alors, je le redis encore une fois, ça ne signifie pas baisser la garde. Il faut poursuivre les gestes barrières. Il faut faire attention parce que nous avons encore 94 personnes qui sont hospitalisées, dont 14 en réanimation. Et malheureusement, nous déplorons 61 morts depuis août liés au coronavirus. Évidemment, cette crise, parce que nous sommes confinés, a des conséquences économiques et bien sûr sur notre vie sociale. Je voudrais redire un mot à l'attention des commerçants qui sont évidemment très touchés et qui se retrouvent en première ligne, que ce soit les restaurateurs ou les commerces qui ont dû fermer. Le fonds de soutien s'élève cette fois-ci jusqu'à 10 000 euros sur le mois de novembre 2020, de compensation du chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 euros. Il faut vraiment que vous fassiez la demande. Le formulaire va être mis en ligne prochainement par le gouvernement pour que vous puissiez obtenir cet argent auquel vous avez droit, qui évidemment ne compensera pas tout, j'en ai bien conscience. Mais nous sommes mobilisés pour que ce soutien soit plus important que ce qui était initialement prévu. En parallèle, la région Occitanie, présidée par Carole Delga, a proposé la semaine dernière de prendre en charge les loyers du mois de novembre. Sur la région, les 26 000 commerces qui ont dû être fermés par décision du gouvernement, de prendre en charge le loyer jusqu'à 1 000 euros sur le mois de novembre. Là aussi, j'ai indiqué sur mon site internet et sur mon compte Facebook, qui est Valérie Rabault, tout attaché, c'est très facile, le numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Et puis, il y a la vie sociale qui en prend un coup avec ce confinement. On se voit moins, on ne peut plus faire de sport. On ne va plus à l'université quand on est étudiant et je voudrais avoir un mot pour les étudiants qui soit ont dû rentrer chez eux, soit restent dans leur chambre d'étudiant et doivent suivre les cours à distance. Ils ont été plusieurs à me contacter cette semaine, notamment du fait de problèmes de connexion Internet. Lorsqu'on habite souvent loin des centres urbains, les connexions Internet ont parfois tendance à ne pas avoir le débit suffisant pour pouvoir suivre un cours en visio, que ce soit via Zoom ou via d'autres systèmes. La région Occitanie, là aussi, a donné des clés, ce qu'on appelle des clés 4G, pour pouvoir avoir une meilleure connexion. Nous travaillons aussi à trouver une réponse locale, donc je les invite à tous me contacter s'ils le souhaitent. Et puis, il y a bien sûr la réponse nationale sur laquelle nous nous sommes mobilisés cette semaine auprès du gouvernement, en lui disant tout simplement, vous n'avez rien mis sur la table pour les jeunes, il n'y a pas de plan de soutien à leur pouvoir d'achat, puisque rien n'a été proposé en ce sens. Donc cette bataille-là continue. Vous pouvez compter bien entendu sur ma motivation, mais d'ores et déjà, si vous connaissez des étudiants ou des étudiantes qui se retrouvent dans des situations de solitude ou de précarité, bien entendu, nous souhaitons pouvoir les accompagner et activer tous les dispositifs qui existent pour qu'ils puissent trouver cet accompagnement. La période est difficile. Elle est très difficile pour beaucoup d'entre vous. Elle est très difficile pour le pays entier, elle est très difficile parce qu'elle met à mal nos relations humaines, mais on voit les premiers efforts aboutir à des résultats. Donc il ne faut pas baisser la garde. Je vous le redis, je suis à votre disposition avec mon équipe pour tenter de répondre aux questions que vous avez, relayer les préoccupations que vous avez qui n'auraient pas déjà trouvé de réponse. Vous pouvez nous joindre au 05 63 20 07 62. Je vous remercie.